Dernière ligne droite, la tension monte avant les finales d'Act in Space, ce hackathon autour de l'espace organisé par le CNES, l'ESA et les ABIC Sud-France. Les candidats ont été sélectionnés en mai parmi près de 900 participants qui se sont affrontés simultanément dans 24 villes. En Allemagne, en Grèce, en Pologne, au Brésil ou encore au Maroc. Et en France, comme ici à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et même ici, le hackathon était international. I'm from Germany. Mukul Agarwal from India. I'm working in Airbus. I'm from Spain. L'objectif, c'est d'imaginer des services, des objets, des applications issues des technologies spatiales pour améliorer notre quotidien. Les candidats ont eu 24 heures, pas une minute de plus, pour entrer dans la peau, et surtout dans la tête, de créateurs d'entreprises. À chacun ses moyens, à chacun sa stratégie. On s'est déjà réparti les rôles et après on part directement pendant 2-3 heures à fond. On va manger et après manger, je pense que non, ça aura bien avancé. Donc si vous voulez plus d'avancement, il faut venir un peu plus tard. On essaie de faire une maquette à l'échelle 1 de notre éolienne. Et donc pour cela, donc, on a construit déjà les cadres. Il nous reste tout le système électrique à mettre en place et à finir l'aubage. Le futur. Pour fonctionner, le cerveau il a besoin d'eau et de sucre, donc... Ah non, elle était comme ça, elle était pas pleine à ras-bord. Les gens qui viennent, ils en prennent, donc... Ça c'est une charnière autodéployable, c'est le brevet sur lequel on travaille. Donc brevet développé par le CNES et c'est le brevet qu'on essaie d'intégrer dans notre invention. Certains sont même allés à l'aube interroger les pompiers d'une caserne voisine pour créer l'application la plus utile possible pour améliorer l'intervention des secours. On a commencé à leur parler d'espace, ils ont pensé qu'on était un peu mal. Et quand on leur a vraiment expliqué le but de notre exercice et qu'on voulait faire quelque chose pour eux, là tout de suite, on a été mis en relation donc avec la personne qui connaissait jusqu'à présent avec le commandant de la caserne, voilà. En fait. Pour les aider, les candidats ont pu faire appel à des experts techniques, mais aussi en business, en communication, en propriété intellectuelle, présents jour et nuit et disponibles sur internet ou par téléphone. La NASA qui donne à disposition la communauté internationale. Sans oublier un expert en relaxation pour aborder sereinement la nuit. 5, les bras d'avant. 4, 5, 4 derrière. L'équipe gagnante de la grande finale internationale fin juin remporte un vol en apesanteur dans l'avion 0G de Novespace. Les gagnants français, un voyage à Kourou. Et pour tous, Act in Space, c'est éventuellement une start-up à la clé. Cela vaut bien le coup de passer une nuit blanche.